Min bete me ko Fatima Dibso bangere wo wala he diwan lisato e si forno idan ay natan cukuda ko kay ma dayen min pol kam ber tan dungu bom ci tan biran da nyama hen wala je ya hen joon min batti bir min batti bir dungu batti bu ci kana wa mi LDB ko joon sak lewru moy der dani ton hedd chapal jeetati ujiner e wetchit ber welti noy gaynaako ande burin weltade gaynaako ber welti hen ber dañ hen ko ciurdum horam ber dañ hen gurdum bisna. La production de lait local au Sénégal est en plein essor. S'il est vrai que la demande de lait sur le marché est de plus en plus importante, c'est avant tout le lait importé sous forme de poudre qui est en très grande majorité consommé par les Sénégalais et c'est tout le paradoxe. Alors qu'au Sénégal, on compte plus de 4 millions de bovins, la filière du lait n'est pas du tout structurée. L'isolement des exploitations pastorales et agro-pastorales rend la collecte de lait très difficile. Pourtant, une laiterie a fait le pari de collecter et de transformer le lait local. Et ça marche. La laiterie du berger a comme principale activité donc, la collecte du lait auprès des éleveurs. La transformation de ce lait dans notre usine à Richard Toll, on va collecter auprès des éleveurs. Au début, c'était de petites quantités, mais après vraiment une douzaine d'années, là, on est sur de grosses quantités, à plus de 7000 litres par jour. Ça, vraiment, c'est une première au Sénégal. Notre modèle, c'est beaucoup plus orienté vers la collecte du lait des éleveurs, parce que nous, on cherche à avoir de l'impact au niveau social. C'est une forme d'inclusion des éleveurs dans la filière lait et dans le marché formel. La filière lait dans nos départements est mieux structurée qu'avant, grâce en partie au projet Africa Milk qui nous a permis d'améliorer la collecte du lait, mais aussi qui a accompagné tous les acteurs à donc, se concerter dans la plateforme d'innovation lait, les producteurs, les collecteurs, tous les acteurs de la filière lait, pour arriver actuellement à ce niveau de collecte très élevé. Des projets comme Africa Milk permettent de faire se rencontrer, de faire se retrouver autour de ces questions-là de développement et d'avoir des résultats à la fois scientifiques mais légitimes parce qu'on les a construits ces résultats-là. Et de cette façon-là, en réfléchissant ensemble, on trouve plus ou moins des solutions adéquates pour tous les acteurs. Le projet Africa Milk, mis en œuvre par le CIRAD et ses partenaires, vise à concevoir avec tous les acteurs de la filière des innovations, qu'elles soient techniques ou organisationnelles. Le but est d'augmenter et de sécuriser l'approvisionnement en lait local. Il s'agit de permettre aux producteurs de produire plus de lait, de meilleure qualité et tout au long de l'année. Dans le département de Dagana, nous avons à peu près 100 000 bovins. 10% de ce cheptel produit en saison humide. Et la production chute pendant la saison sèche. La laiterie du berger, avec le projet Africa Milk, a travaillé à améliorer les rations afin d'augmenter la productivité, la production en saison sèche. Donc en fait, ici, dans la région, on a d'un côté le Wallo, qui sont les terres irriguées du fleuve Sénégal, et ici, les terres du Djéri, qui sont les terres sèches. Dans le Wallo, il y a beaucoup de produits agricoles. Et donc l'objectif du projet Africa Milk, c'est aussi de pouvoir mettre à disposition toute cette biomasse disponible dans le Wallo pour les éleveurs du Djéri, afin d'augmenter leur productivité. Quand on va voir les éleveurs, on travaille sur l'alimentation animale et notamment sur les produits qu'ils utilisent. Il y a le népès, donc le sonnerie, il y a la mélasse, il y a aussi le tourteau d'arachide. Ce sont trois principaux produits que l'on trouve au Sénégal et qui peuvent, une fois mixés, améliorer la ration si on individualise ces rations alimentaires par vache. Bon respecté. Cette production est bien unie. On a 20 litres, même 30 litres. Les producteurs, soutenus par le projet Africa Milk et la laiterie du berger, ont su mettre en place des élevages intensifs et agroécologiques. Le modèle de social business, basé sur la participation des éleveurs et des industriels, a permis de structurer toute la filière. Le projet Africa Milk est développé aussi au Kenya, au Burkina Faso, à Madagascar, avec la même idée. Intégrer l'élevage aux économies nationales constitue un formidable levier de développement.